T'as comme ça. Oui, c'est quoi? C'est le mécréant. C'est le mécréant, je sais. Tandis que quand le croyant, il passe toujours sous lui la CDI. Quand le croyant, c'est le croyant, lui passe toujours la CDI. Et comment qu'on place la CDI? Allons-y. Comment qu'on place la CDI? Le croyant, c'est là. Comment il passe la CDI? La CDI, c'est quoi la CDI? Ça, là, c'est dit. C'est des signes quoi? Regardez, c'est. Je le mets en couleur. Ça fait quoi? Ça fait ceci. Celui de ceci. Quand vous regardez bien, je le mets en patron. Ce truc-là, c'est quoi? C'est un aile. Ce truc-là, quand. Ça, c'est un aile. Le jaune, là, c'est un aile. Et puis le bleu, là, c'est quoi? C'est un sexe. Ensuite, vous voulez. Sept, c'est quoi? Sept, à la présence, c'est G dans l'alphabet. G, c'est quoi? C'est une oreille. C'est une oreille, G. Une oreille à laquelle on invite d'accepter, de dire oui. C'est pourquoi j'ai la présence 7. 7, comme accepte. Maintenant, ceci, elle est la présence de L, c'est quoi? C'est une langue. Alors. C'est une haine. Donc la CDI, c'est quoi? C'est une langue qui parle à l'oreille. Cette langue-là, c'est quoi? C'est le livre révélé de Dieu. C'est une langue qui parle à l'oreille. L'oreille est quoi? Est le lecteur de ce livre-là. Maintenant, c'est le signe quoi? C'est à la personne de la famille de la lettre quoi? Et son minuscule, c'est quoi? C'est ceci. Regardez ceci. Ceci là, le E minuscule, majuscule là, c'est quoi? Regardez bien, c'est un sur lequel est greffé 3 bâtonnets. On sait quoi? 1 et 3, ça fait quoi? Ça fait 13. Et à la personne 13 de la famille, c'est quoi? La lettre M. Et regardez bien, M. Je le écris, c'est N, N de quoi? Hein? Regardez bien, N, M, c'est quoi? C'est un livre ouvert. Un livre est ouvert. Chacune de ces parties, de ces deux parties-là, dessine un N. Ici, dessine un N. Ici aussi, dessine un N. Le E là, ce E, regardez bien, E, je le mets en patron, il a ceci, comme ça, qui est un T, et puis là, ceci. Il a dit, il a quoi? Il a un T, un T et ceci. Regardez le T. Le T. T, c'est quoi? T, c'est le crachat. La salive. T, c'est la salive. La salive. La bouche de celui qui veut saliver, qui veut jeter, qui veut cracher, dessine T.
cache